Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vos Asparbales et on se retrouve à bord du T30, chasseur de char tier 9 de Monsieur Tony 37 sur Himmelsdorf en bataille impromptuf. Tier 9, ce T30 vraiment un char particulier, un chasseur de char, mais qui ressemble à un lourd, qui se prend pour un lourd, qui croit qu'il est un lourd, sauf que c'est un chasseur de char. Donc très particulier à jouer, très plaisant. Moi je l'adore, ce char, il met des doses, il met les mêmes doses que le T95. Il a une très grosse tourelle, une tourelle qui est solide, et il se retrouve face à un T30, mais le T30 montrait son bas de caisse, parce que oui, le bas de caisse du T30 c'est de la mousse, et du coup il a réussi à mettre un 710. À l'autre T30, à noter un T10 qui s'approche. Il faut que faire attention, Tony, à ne pas montrer le bas de ta caisse. Et le T30, le coupé de commandement, bien sûr, qui peut être percé aussi. Tony qui est un peu seul, heureusement, il y a un Scorpion G qui vient d'apparaître et qui vient de tenter le tir pour dissuader le T10 de passer, de pousser trop fort. Parce que là, il faut pas qu'il saute. Voilà, deuxième dose sur le T10, une petite troisième dose et ça devrait être bon. On devrait faire sauter le T10. Par contre, il y a beaucoup de monde derrière et il est tout seul. Il n'est pas nombreux, Tony, à lui tout seul. En tous les cas, il essaie de bouger en permanence pour éviter que les gens puissent tirer dans sa coupelle de commandement. Et d'ailleurs, vous avez vu en plus, il était en train de relever son canon pour que son canon soit dans l'alignement de la tourelle de commandement. Et qu'ainsi, les gens ne puissent pas viser sa tourelle de commandement. Ou aient plus de mal, du moins, à viser sa tourelle de commandement. Qui c'est qui lui tire dessus? C'est le T21, le méchant léger qui était en train de lui tirer dessus. Ou par contre un VK, ça va être plus difficile à percer. Et ben non, pas du tout, même en side scraping le VK n'avait aucune chance vu que Tony vient de lui mettre la belle dose qui fait plaisir. Et le Scorpion G, je crois, lui a mis aussi une dose. En tous les cas, il y a une deuxième dose qui est passée, voilà, la dose qui ricoche. Ou par contre le T30 qui est en train de rush Tony, ou qui réussit à lui mettre une dose dans le bas-ventre, mais par contre le Scorpion G était en train de veiller et a fait sauter le T30. Nouvelle dose qui ricoche sur la tourelle de Tony, ou le petit 416. Non, pas le petit 416, que je raconte le petit VK, je voulais dire. Le petit VK, mauvais tir de Tony. Là, il aurait dû tirer dans le bas de caisse du VK. Le bas de caisse qui a été réduit, hein. Le bas de caisse a été diminué. L'épaisseur du blindage du bas de caisse du VK a été diminué. Du VK 4502B, il a été diminué au dernier patch. Donc, au patch. Au patch 17.1. A été diminué et il a réussi à faire sauter le VK 4502B. Et ensuite, il ne reste plus qu'un AT15, un AT15 qui est quand même assez solide. Hein. Très gros blindage de face, l'AT15, mais ça pose aucun problème au canon du T30 qui fait une grosse dose. J'adore ces canons qui font des doses énormissimes. Le Scorpion G qui apparaît, qui veut des miettes de l'AT15. Le Scorpion G, là, par contre, il a peut-être fait une erreur à s'avancer autant parce que du coup, il est en train de prendre cher de la part de l'AT15. AT15 qui tire très rapidement. Un canon qui met des petites doses, mais qui tire très, très, très rapidement. Voilà, Tony qui vise un peu et qui fait sauter la T15 sans grand problème. Il y a quelqu'un derrière qui lui est en train de têter le cul à Tony. Ça se fait pas. Au moins, on se présente avant. En tous les cas, il avance. Ouh, il avait vu quelque chose, donc du coup, il fait marche arrière. Il se repositionne parce qu'il avait vu un WZ111-1-4 qui était en train de montrer son cul. Et ça ne se refuse pas. Il vient de mettre la première dose. Le WZ qui part se mettre à l'abri derrière la maison, qui a compris son erreur. Tony qui regarde. Non, le WZ ne semble pas vouloir venir. Apparemment, ils sont en train de pousser, de pousser au niveau pour essayer de descendre de la colline. Le WZ, voilà, WZ, oui, il y avait quelques points grappillés, quelques points de vie à grappiller, il l'a fait. GG, à noter en plus que Tony n'a pas forcément un super bon ping, ce qui explique un peu les décalages entre les tirs, parce que là, il y avait un petit décalage entre le tir et l'arrivée de l'obus, parce que on voit son ping qui est en train d'osciller, qui est en train de passer parfois à 150. Il peut poser problème pour jouer. Jolie dose sur le Bulldog, M41, en même temps c'est pas très blindé comme cible on va dire. Le RHM qui a plus beaucoup de vie, qui devrait sauter. Est-ce que Tony va réussir à le sauver? Le Panther 2 qui est en position aussi. Ou un deuxième T30, mais il y en avait combien dans l'équipe ennemie des T30?
Voilà, ouh, le T-54 qui a eu très très mal. Lui, il n'a pas fait long feu. Tony qui est en train de bouger toujours pour essayer d'éviter qu'on ne focus sa tourelle de commandement, même si là on le voit pas, mais en même temps c'est l'habitude. C'est bien de prendre l'habitude au T-30 qui monte le flanc de sa tourelle, il y a moyen. Et il le fait passer le tir qui va bien. Donc du coup il ne nous reste plus qu'un défendeur et un T-26E4, j'allais dire, mais le T-26E4 a été eu à l'instant par le Scorpion G. Scorpion G qui aura fait, je pense, aussi une bonne partie parce qu'il a mis pas mal de doses. Le défendeur qui est resté au niveau de sa base apparemment, je sais pas qu'est-ce qu'il est parti faire. Et oui, Tony est très très content parce qu'il a fait une somme, comme vous pouvez le voir à l'écran, une somme de dommages assez hallucinante avec ses 9200 de dommages. Va-t-il réussir à mettre une dose supplémentaire sur le défendeur? C'est pas sûr, hein. Bah si, finalement c'est sûr, vu que le défendeur a eu la gentillesse de venir voir Tony. Tony qui hésite, voilà, hop, le flanc du défendeur, ça fait toujours plaisir. Il s'est appliqué pour son dernier tir. Et donc, il ramène un as du char, un mur d'acier, un gros calibre, un guerrier, et on va aller voir, au final, il a fait 9417 de dommages, 7 kills, ce qui lui ramène 1789 d'XP. Je serais intéressé de voir le nombre de dommages bloqués grâce à son armure. 3420 qu'il a bloqué grâce à son armure, c'est quand même assez assez sympa, surtout avec les 9417 de dommages. GG Tony, très belle partie. Et pour ce deuxième replay, on se retrouve à bord du char de Corentin. Je pense que c'est Corentin, on va regarder le pseudo ultra compliqué, mais je pense que c'est Corentin. Il nous dira dans les commentaires de la vidéo si c'est bien Corentin. En tous les cas, on va l'appeler Corentin. Voilà, ça t'apprendra à écrire un pseudo totalement imprononçable. De les cas, il est à bord de son objectif 268 ou 268, c'est plus facile à dire. Surtout quand on parle rapidement pour commenter un replay, c'est plus facile de dire 268, donc on va dire 268. Et il est à bord de son chasseur de chars, donc tier 10 russe, sur la map Overlord, sur la map Normandie. Et alors que j'ai envie d'éternuer, c'est pour ça que je m'arrête de parler. Et c'est bon, je vais pas éternuer. Donc il se... Tout va bien, Balrog n'a pas éternué. Et donc il se place en position, par contre il est peut-être un peu proche. Là il va se faire spotter si quelqu'un arrive directement. Il se met en position et il attend la proie, tel un chasseur de chars furtif dans son buisson. Par contre là, comme je vous le disais, il est un peu proche. Je pense pas qu'il soit furtif du tout. Mais pas du tout. Ça serait bien que quelqu'un aille spotter pour lui, histoire de lui montrer s'il peut avancer ou pas avancer. Ça y est, l'object y va. Il va essayer de spotter quelque chose. L'object 252. Le Tiger 2 s'avance aussi. Le Tiger 2 qui est fièrement peinturluré et avec plein de des inscriptions Berlin sous le côté de la tourelle. Voilà, il s'avance, il a vu le 50B qui a fait ses 3 tirs, ses 4 tirs même peut-être, vu qu'il se recule, donc il a dû vider son baril. Ouh, il a pris un tir de leveux sur le flanc, ça c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y a un leveux qui est planqué au fond tout là-bas. Est-ce que... Non, il pourra pas le spotter, surtout qu'il a pas de binot, qu'il a rien, donc sa distance de vue est limitée. Même s'il s'arrête, sa distance de vue... va être assez limité. Oh, un mouse qui s'avance, et quand un mouse s'avance, dorénavant les gens reculent. Le 50B qui est de nouveau là-bas, par contre il a été spoté, l'ampoule de 6ème sens qui s'est allumée, il a mis le tir et tout de suite il plonge dans le creux pour éviter de se faire tirer de nouveau dans le flanc, notamment par le leveux qui est quelque part, à moins que c'était le leveux qui était juste là, qui lui a mis, non c'est un mouse qui est là, donc il y a un leveux qui est planqué quelque part, qui n'a pas été spot. Voilà, le leveux qui spot, qui est tout là-bas, auprès de la maison. Et Corentin qui se déplace pour pouvoir mettre la dose dans le leveu, comme quoi le Corentin est rancunier. Méfiez-vous, faites jamais de crasse à un Corentin, sinon il pourrait venir vous emmerder 6 mois plus tard. Ah, est-ce qu'il a moyen de mettre la dose dans le mouse? Ça passe dans le mouse. Allez, je fais attention, hein, vous avez dit,
Vous avez vu, je prononce bien le Maos maintenant. Vu qu'on n'arrête pas de me faire engueuler. De m'engueuler à propos de ça. Vous attachez vraiment à des détails. Vous êtes hallucinant. Le leveu, voilà, il a réussi à faire sauter le leveu. Toujours le problème des silhouettes, mais on l'a bien vu qu'il était visible. Voilà, il fait demi-tour et il va se repositionner. Le coin, ce coin-ci a été nettoyé. Les deux équipes sont à peu près à égalité et vont avancer sur les derniers, notamment un T26E5 Patriot qui va prendre cher. Voilà. Il a pris cher puisqu'il s'est fait avoir en doublement par une première dose de Corentin et par une dose du T110E5 et qu'il l'a fini. Me semble-t-il, après il y a eu peut-être une troisième dose, mais je ne l'ai pas vu passer en tous les cas. L'objet 268 qui va avancer, char très très mobile. Un peu difficile à jouer parce qu'on a envie d'aller au front avec, et en fait il faut pas aller au front. En même temps, on n'a pas envie de rester au fond dans son buisson. Il peut faire très mal quand il est en peloton. En peloton, c'est un régal à jouer quand vous mettez des doubles doses. Vous imaginez l'ennemi totalement en PLS au fond de son char. En tous les cas, belle dose sur le 113. 113 qui a tenté sa dose mais qui n'est pas passé. Corentin qui tente une nouvelle dose, mais apparemment le 113 s'est reculé et ne montre plus que sa tourelle. Donc du coup ça va être un peu plus difficile à tirer. FV tout là-bas au fond qui est aux prises avec le mouse. Le 113 qui se recule. Au fond de la map, on faut faire attention parce qu'on a un OO et un Skoda T50. Et autre chose aussi que je vois pas que c'est. Mais on a aussi autre chose. Ouh, un tir qui a ricoché. Le tir qui va bien, qui ricoche qu'au bon moment. Ça fait plaisir. Et le OO. Voilà, joli. Un petit 841 sur le OO. Ça fait plaisir. Par contre, le 113 qui le prend par le cul. Ça serait bon que le T110E5 s'occupe du 113. Ou au moins fasse peur au 113. Parce que là, le 113 est en train de se gaver dans le cul de Corentin. Surtout, ne sortez pas ça du contexte. Et le T110E5 qui est enfin en train de s'occuper du 113. Corentin qui se retourne, hein, quand je vous disais qu'il était rancunier, il se retourne pour faire mal au 113. Il s'approche du 113, le 113 qui vient de tirer. Par contre, le 113 est en contrebas, ne t'avance pas trop et en même temps il a du monde dans le cul. Encore une fois, donc il faut qu'il fasse attention, il a le Skoda T50 qui est derrière lui, donc qui pourrait lui mettre des doses. Skoda T50 qui apparemment est parti, a eu peur du Centurion 7.1 et de l'objectif 416 qui s'avançait vers lui. Par contre, Corentin qui est un peu embêté parce qu'il a le 113 face à lui et il ne peut pas s'avancer sans montrer son bas-ventre. Et surtout, il ne faudrait pas qu'il se fasse circle par le 113. En plus, voilà, il recule et du coup, il n'est plus en position de tirer. L'objet 416 qui fonce vers lui, qui fonce vers le 113 qui fait diversion, voilà, j'ai trouvé, qui fait diversion sur le 113. Par contre, Corentin a loupé le tir qu'il fallait pas louper. Le 113 qui est juste en bas, qui a été perturbé par l'apparition du 416. Voilà, Corentin qui réussit à mettre la dose, qui tente le petit RAM, mais qui enlève pas de points au 113, parce que le 113 est un peu plus lourd que le 2-6-8, on va dire. Voilà, et il le bloque pour que le... C'est qui a eu le Conway? Le Conway? Non, le Conway, il n'y a pas de R. Le Conway réussisse à le faire sauter. Le Conway, qui est un char qu'on voit pas forcément très souvent. En même temps, il est très moche. Déjà, d'une, et il semble assez difficile à jouer parce que c'est un FV apparemment qui n'a pas de blindage. Dans tous les cas, il est tellement moche, il donne pas forcément très envie. Et s'il est aussi imprécis et aussi compliqué à jouer que le FV qui met des très grosses doses mais qui était totalement imprécis et qui n'a pas beaucoup d'obus et un taux de reload de rechargement totalement hallucinant, ça peut se comprendre qu'il soit pas très joué. Et le Skoda T50 qui est passé, alors je sais pas par où il est passé, mais en tous les cas, il est passé, il a fait le tour et du coup, il se retrouve tout au fond de la map avec le CDC. Et par contre, où sont les Waffenträger? Les Waffenträger, je pensais qu'ils seraient en ligne K, mais pas du tout. Les Waffenträger ne sont pas en ligne K, ils sont ailleurs. Ils ont dû profiter de leur mobilité pour passer. Par contre, le Skoda T50, faudra m'expliquer comment qu'il a fait pour passer devant le Centurion 7.1. Je sais pas du tout. Alors là, j'ai loupé un épisode, on va dire.
J'ai dû louper un épisode. Le centurion, c'est un qui s'avance vers le Skoda et qui le fait sauter puisqu'il est arrivé dans son cul. Le CDC qui est tout là-bas. Corentin qui va s'avancer, qui va essayer de le prendre dans le cul, je pense. Qui va essayer de le contourner, de l'avoir par surprise par derrière. Le mouse qui bouge, qui s'avance apparemment. Enfin, le Waffen-Trigger qui a détruit le mouse. Donc le Waffen-Trigger est planqué quelque part et avait une vision sur le mouse. Le deuxième Waffen-Trigger qui fait sauter le Conway. Le Centurion 7-1 qui est venu aider Corentin. Mais du coup, une attaque par derrière à deux comme ça, ça va plus être de la surprise. Voilà, ils sont spotés. Donc du coup, il n'y a plus d'élément de surprise. C'est... Ouh, ils étaient là, les Waffen-Trigger. Ils étaient là. Et en plus, j'ai dit une connerie totalement, oui, parce que en fait, j'avais inversé les deux camps. Et que non, ils n'ont pas fait le tour. Ils ont pas... ils étaient tout simplement là depuis le début. Oh, joli saut! Joli saut du CDC. On peut l'applaudir, le CDC. Alors que oui, j'avais inversé les camps. En fait, j'étais persuadé que les Waffen Trigger avaient commencé en bas dans le commentary, dans la précipitation du commentary. Alors que non, ils avaient commencé en hausse. Donc du coup, ils n'ont pas bougé du tout de la ligne A et non de la ligne K, comme je le disais tout à l'heure. Espèce d'abruti de malheur. Par contre, très joli saut du CDC qui a fait un plongeon magnifique. Je pense qu'il a glissé. Chef, j'ai glissé. Je pense que c'est ça, parce que sinon je ne comprends pas comment il aurait pu faire ça. En tous les cas, il reste juste un Waffen-Trigger. Par contre, Corentin ne peut pas s'avancer vu le peu de vie qui reste. Ouh, il y a un bout qui dépasse. Non, trop tard, il a vu qu'il y avait un bout qui dépassait. Voilà, hop, il a réussi à mettre la dose, la grosse dose. Et c'est le Centurion 7-1 qui a réussi à le faire sauter. GG! Ah oui, on s'embrouille parfois quand on commente un replay dans la foulée, dans l'excitation du moment. Et là, je me suis trompage, j'ai inversé les deux côtés de la map, autant pour moi. En tous les cas, Corentin a fait un as du char avec la gros calibre. Combien il a fait de dommages? Il a fait 7995, donc il a fait 8000 de dommages. Hein. On va pas être allez, à 5 points près, on va dire qu'il a fait 8000 de dommages. Il a fait ses 3 kills, il a fait 1103 d'expérience. Il a bloqué quand même, grâce à son blindage, il a bloqué 1130. Points de dommage et il a fait 994 de points de spot. Et oui, comme quoi il y a un peu de blindage quand même sur l'objet 268. En tous les cas, j'espère que cet épisode de vos Asparballes vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tous les cas, portez-vous bien, faites attention à vous. D'ici la prochaine fois, ciao ciao, à plus les gens.